une population désemparée. Aujourd'hui, l'urgence c'est d'évacuer l'eau pour que ces populations puissent vivre dans la quiétude. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Si je prends l'exemple de M. Alioune Diop, dont sa maison est là derrière nous, il faut au moins faire 10 à 15 mètres dans l'eau, à peu près une hauteur de 1 mètre, pour accéder chez lui. Alors nous faisons appel aux autorités. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour venir nous raconter quoi que ce soit. Les populations sont désemparées, il faut que les autorités viennent d'urgence. Ça, ce n'est pas de la politique. La politique ne nous intéresse pas. C'est tout simplement les populations sont désemparées parce que les maisons sont inondées. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas deux maisons. Il y a la cité SAPCO, il y a aussi la cité Sirde. Et toutes ces cités, leurs maisons sont inondées. C'était pas vraiment... On n'a jamais vécu cette situation. C'est cette année qu'on a... C'est la première fois qu'on a vécu cette situation. C'est la première fois qu'on vit cette situation. Il y a un terrain qui est là derrière nous, qui constituait un bassin. Normalement, toutes les eaux de pluie devaient couler ou bien ruisseler vers ce marigot. Alors, il y a un promoteur qui a mis du gravat, alors et qui s'est mis à faire un terrassement pour vendre ultérieurement les parcelles. Et là, on lance un appel à l'État que ce parcelle qui est derrière, qui servait de marigot pour recueillir les eaux de ruissellement là, que cette partie ne soit pas vendue. C'est un marigot, c'est un marigot. Il ne faut pas qu'après demain les gens viennent habiter dans les marigots pour crier encore. Bon, rien que nous, ça suffit. Ça suffit. Et nous disons à l'État, il faut assainir avant que les gens n'habitent. Justement, le plan Orsec, c'est normal, il faut qu'ils viennent pour nous amener le plan Orsec. Le Sénégal, il est le Sénégal, mais ici aussi, on est concerné par le plan Orsec. Ce n'est pas seulement dans les autres localités, mais la zone de Kounoun, hein, particulièrement SAPCO, Cité-Sire et autres, ils sont concernés par ce plan Orsec. Il faut qu'ils viennent. C'est plus d'une quarantaine. C'est toute la cité qui est dans l'eau, vous avez vu. C'est toute la cité qui est dans l'eau, regardez. Vous avez les images, bon, et vous, les images vont vous le prouver. Hein? Nous, on demande que l'eau soit évacuée des maisons. C'est compliqué, on ne peut même pas préparer, les enfants ne peuvent pas sortir. Hein? C'est très compliqué, les gens ne peuvent pas sortir de leur maison. Hein? Regardez le bon dame, vous en tant que journaliste, regardez, vous avez l'eau autour de vos hanches. Nous sommes vraiment dans une situation très confuse. Et surtout que c'est une zone qui est habitée également par des reptiles. Donc c'est une zone vraiment qui n'est pas du tout sûre. Il y a beaucoup de problèmes qui sont cumulés avec l'eau qui stagne. Donc on a des problèmes pour sortir, faire des achats. Même pour se nourrir correctement, c'est un problème. Et chaque jour, nous prions Dieu qu'il n'y ait pas de malades. Imaginez avec toute cette eau qu'il y a ici, s'il y a des malades ou bien une évacuation médicale, qu'est-ce qu'on va faire? Il y aura suffisamment de morts et ce sera vraiment la responsabilité de tout un chacun. Donc on invite toutes les bonnes autorités à venir nous soutenir, nous sortir des eaux. Nous sommes dans une situation très urgente. Il y a peut-être des travaux à court terme et à long terme, mais dans l'immédiat, ce que nous demandons, c'est l'évacuation des eaux afin qu'on puisse accéder aux surfaces de vente et autres. Et aussi que moi, j'avais une cousine qui devait passer des examens. Elle avait raté le premier jour. Finalement, le deuxième jour, je lui ai demandé de déménager chez mon frère qui habite à Ouest-Foire pour pouvoir aller faire ses examens. Donc vraiment, nous demandons l'aide de tout un chacun. Nous appelons les autorités vraiment à venir de toute urgence pour nous soutenir dans cette situation.